la question de savoir dans quel esprit l'État togolais a signé le contrat avec Mining SA. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que le contrat sera rompu. La semaine dernière, nous avons réitéré la question, on nous parle du futur de contrat. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, si c'est la rupture du contrat, qui va régler le problème? Qu'est-ce que la préfecture de Bassa aura bénéficié, la population de Bassa aura bénéficié de ces 3 ou 4 années d'exploitation de fer? Est-ce la pollution de l'eau et la dégradation de ces routes? Je voudrais savoir, monsieur le ministre, ma question est adressée à monsieur le ministre directement. Et en deuxième position, je voudrais présenter quelques doléances. Si dans le budget prochain, le gouvernement pouvait prendre en compte la construction du marché de Bassa. Le marché a été conçu, mais ce n'est pas un marché en tant que tel. Le marché, la superficie est inférieure à l'ancienne. Les hangars, le nombre n'atteint pas. Et ça fait que la population n'accepte pas rejoindre ce marché. Et si vous allez, vous allez constater que ça ne répond même pas. Ça ne cadre même pas par rapport au petit marché de l'Odé qu'on a construit. Si on pouvait prendre en compte la construction du marché et les engins qui sont carrés sur le tronçon sur côté Bassa, comme si on voudrait construire une voie. Je souhaiterais vivement qu'on en tient compte. Si c'est la réhabilitation qu'on voudrait faire, qu'on le sache. Merci.